L'émollient est à appliquer sur les zones de peau qui n'y sont pas rouges, donc en dehors des plaques d'eczéma, pour réparer la barrière cutanée, donc le mur de briques, et espacer les poussées d'eczéma. Il est à appliquer plutôt le soir, après la douche ou le bain, sur une peau propre et sèche. Il y a différentes textures. Il y a des crèmes qui vont être plus fluides, plus faciles à étaler, et des baumes qui vont être plus nourrissants pour la peau, avec une facilité d'étalement un petit peu moindre. Et on va choisir la texture en fonction de l'état de sécheresse de la peau. Chez l'enfant, donc pour appliquer la crème, la maman ou le papa peuvent chauffer la crème au niveau des mains avant de l'appliquer sur le corps de l'enfant pour éviter le côté froid un petit peu désagréable. Ensuite, on l'applique sous forme de massage plutôt doux, non traumatique, sur la peau de l'enfant. Et ça peut être l'occasion de réaliser un massage, d'avoir un petit moment apaisant avec son enfant. Quand l'enfant est plus grand, on peut essayer de l'autonomiser en réalisant des jeux avec lui. Et on peut appliquer la crème sous forme de petits points, comme les points de la coccinelle. Et après, il apprend du coup à étaler la crème sur son corps.